Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je n'ai pas trop dormi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je viens de dormir, pourtant il était 23h, quelque chose comme ça. Je me suis endormie. Et après, je me suis réveillée vers 1h et je me suis rendormie vers 4h. Vraiment, je suis fatiguée. Vraiment, là, je suis fatiguée. En fait, j'arrive pas à bien dormir. Ça me fait mal quand je pose encore et tout. Bon, c'est toujours comme ça au début du stress. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, je suis en train de faire de la lessive et tout. Je me suis levée à 10h là quand j'ai dormi vers 4h, 3h, 4h comme ça. Je me suis réveillée à 10h. Là, il est 11h40. J'étais en train de faire les trucs de lessive là. Déjà j'ai faim. Depuis hier j'ai faim. Quand je me suis réveillée à 1h, j'avais faim. Alors j'ai pas bien mangé. Je vais chercher à manger tout à l'heure. Et on va s'occuper comme on peut en vrai. Aujourd'hui là j'ai trop la flemme. J'espère que vous allez bien. Alors, ça va super. Là. Et j'ai trouvé finalement le crayon noir que je voulais. C'était pour faire les contours des lèvres. Je sais pas si ça se voit bien, mais bon. C'était pour ça. Là je suis en train d'aller à l'épicerie. Non, il y a l'épicerie africaine, ouais. Vous allez entendre ça tout petit. Je suis en train de manger ce crayon africain vraiment. Genre là je vais manger l'ongoumou et c'est mon plat favori. Ça c'est mon plat, c'est trop mon plat l'ongoumou. Du coup ce que je vais manger aujourd'hui, et voilà. Bref, il y a pas un beau temps là, donc là je vais prendre le bus et voilà. Bon là j'ai emprunté le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que quand je venais, le bus il est passé. Et là, il faut attendre encore beaucoup de minutes. Et là, je suis un peu pressée. Et puis, je suis obligée de marcher maintenant. S'il arrive à me prendre un chemin, sinon, je vais marcher. Voilà, voilà, voilà. J'aurais dû passer par l'autre chemin. Et j'allais peut-être la voir à l'autre arrêt. Ouais. C'était mieux. Là c'était mieux. Là quand c'est comme ça, je suis obligée de passer dans Marc Arthur pour arriver plus rapidement. Voilà. La limite, j'arrive même avant le bus quoi. En vrai c'est pas long quoi. Parce que parfois la flemme. Du coup là je suis arrivée là où le bus devait me laisser, et là si j'attendais c'est maintenant que je devais monter sur le dans le bus. Là je suis rentrée, il faisait froid. Bref, j'ai pris l'ongoumou, les champignons et le poisson. Je suis pas du jet d'eau mais j'aime l'ongoumou. Bref, ah, les tresses là commencent à devenir jolies, hein. Ça commence à s'aboucher avec mon visage. Au début là c'était trop moche. Alors que maintenant là. Bref, donc je suis. Là on va faire ma valise. Et ensuite on va préparer. Donc voilà. Vous savez que j'aime me produire, faut me laisser. Oh, c'est belle comme ça. Je ne connais pas, il casse ça à l'aide des mains. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça comment? Dans ma langue, on appelle sagwa. Sagwa. Mmh. En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà vu le truc qui est à l'intérieur. Mmh. Mais je sais pas.
Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Je me suis réveillée à 9h. Il est 9h, peut-être 40 comme ça. Je vais aller me laver. Et voilà. Je dois boucler ma valise. Je l'ai commencé hier soir à 22h, 23h. Et du coup, je vais la boucler tout à l'heure. Et voilà. Du coup, là, c'est le départ. Pas très en forme. La valise est là. La valise est faite. Et voilà. Je suis en train d'enlever tout mon make-up à cause de le citron. Là, il y avait un enfant, il avait fait caca dans le bus et ils étaient en train de le changer à l'intérieur. J'en pouvais plus! Du coup, là, je suis dans le deuxième bus. C'était pas ça la base. Hein. Mais bon, je suis dans le deuxième bus pour la vraie destination. Enfin. Enfin arrivé, enfin. J'attends ma copine, elle était dans la gare et tout, mais ils m'ont laissé là. Genre derrière la gare, en espérant qu'ils ne pleuvent pas encore là. Donc, allez, malou! Et mais par contre, c'était épuisant. Genre, je devais arriver depuis 16h50 au plus tard, quoi. Même pas au plus tard, c'est 16h45, quoi. Mais. J'arrive à quelle heure? J'arrive à 18h12. Du coup, je suis arrivée chez ma copine. Je suis arrivée chez ma sister. Ouais, après tout ce temps, on est passé à Picard et tout, faire des petites courses. Et là, on est en train de cuisiner. Bon, je suis en train de cuisiner parce qu'elles font rien. Donc, voilà. On se fait du taboulé. J'ai jamais goûté. Je vais goûter où? C'est elle qui fait ça. Et des guillettes de poulet. Allez, voilà. Voilà le plat.